En Jordanie, un ensemble de petits livres en plomb et en cuivre a été découvert, suscitant la curiosité parmi les scientifiques. Ces 70 volumes miniatures contiennent des inscriptions et des symboles qui pourraient offrir des aperçus sur la vie du Christ. Cependant, leur authenticité est débattue et beaucoup sont scellés, entravant un examen approfondi. Malgré les défis, étudier ces livres pourrait fournir des aperçus précieux sur l'histoire de la foi chrétienne. Rejoignez-nous pour explorer ces artefacts anciens et leur importance potentielle pour comprendre les origines du christianisme. Au total, 70 livres en plomb ont été trouvés, contenant des choses intéressantes sur la foi chrétienne. Les écrits et les symboles trouvés dans ces livres sont supposés avoir été écrits par des chrétiens des premiers temps. Pas beaucoup plus grands que des cartes de crédit, les livres en plomb sont reliés par des anneaux métalliques qui relient toutes les pages ensemble. Les érudits chrétiens et les historiens sont déjà excités par les informations que ce livre est prêt à révéler aux croyants et aux athées en général. Certains des livres ont déjà été analysés et des symboles, images et mots pointant vers la crucifixion et la résurrection du Messie ont été trouvés. Les petits livres sont déjà prêts à changer le cours de l'histoire chrétienne comme les manuscrits de la Mer Morte l'ont fait en 1947. Bien que le but principal de ce livre ne soit pas encore clair, les noms Jésus et Simon y apparaissent. Le Simon mentionné pourrait soit être l'homme qui a aidé le Messie à porter sa croix sur le chemin de sa crucifixion, soit être Simon bar Kokhba qui a mené une grande rébellion contre Rome en 135. Ainsi, les historiens voient ce livre comme un artefact vraiment ancien, possiblement écrit il y a des milliers d'années. Une entrée Wikipédia a été créée pour ces livres et ils sont appelés codex. La présence de symboles, de noms religieux et un bon nombre de livres scellés parmi les petits livres ont conduit les chercheurs à croire qu'ils pourraient être les codex perdus du livre de l'Apocalypse. Trouvés à l'intérieur d'une grotte dans des régions reculées de la Jordanie, les chercheurs ont découvert des documents importants dans cette région car des réfugiés chrétiens y résidaient autrefois après la chute de Jérusalem en 70. Les choses qui ont été trouvées avant cette dernière découverte étaient des tablettes, des artefacts, des rouleaux et un bol à encens. Personne ne s'attendait à trouver un livre qui éclairerait davantage les écritures chrétiennes déjà existantes. Des symboles de palmiers et la menorah juive ont été trouvés dans ces livres. La langue utilisée pour inscrire des mots sur ces pages métalliques était l'hébreu paléo, une langue qui remonte à 1000 ans avant la naissance du Christ. En analysant encore plus les pages, vous remarquerez quelques lignes d'araméen là, qui était la langue la plus populaire à l'époque de Jésus. Ces deux langues suggèrent qu'il y avait un écart temporel entre la rédaction de ces livres. Des études plus approfondies par des chercheurs ont également trouvé des extraits de certains caractères grecs dans les petits livres. Un rayon d'espoir a brillé sur l'interprétation lorsque le docteur Samuel Zinner, un membre du panel d'évaluation, a identifié des caractères hébreux inhabituels. Il l'a fait en reconnaissant deux caractères qui étaient clés pour déverrouiller le mystère de la lecture des textes. Ces deux lettres étaient disposées sur une grille et pouvaient être lues en diagonale, de haut en bas, de gauche à droite et de droite à gauche. Cela a aidé l'équipe qui évaluait les livres à lire avec succès certaines parties des textes. En parcourant la portion restante des livres, il y avait des symboles juifs, tels que les lampes à 7 branches, un bol d'offrande du temple, des étoiles à 8 branches et une croix qui était inclinée en diagonale. Parmi les symboles et les caractères observés, il y avait une révélation choquante piégée dans les pages du livre. Un premier portrait de Jésus a été vu à l'intérieur. Les chercheurs pensent que le dessin a dû être réalisé par quelqu'un qui vivait à l'époque de Jésus. L'image montrait le Messie couronné d'épines sur le front. Juste à côté du portrait se trouvait l'écriture « Sauveur d'Israël ». Les chercheurs ont trouvé les lampes à 7 branches, comme l'une des représentations les plus étonnantes dans le livre.
La représentation est interdite par les Juifs car c'est un objet sacré. Elle n'appartenait qu'à un seul endroit, à l'intérieur du temple, le Saint des Saints. Seul le grand prêtre était autorisé à la voir. Les chercheurs ont trouvé cela intriguant qu'une chose qui était considérée comme le propre mobilier de Dieu puisse être vue et dessinée par quelqu'un d'autre que le grand prêtre. Les chercheurs soupçonnent que la présence de cette menorah à 7 branches était la raison pour laquelle beaucoup de livres étaient scellés. David Elkington a pris beaucoup de photographies de ces livres et a revendiqué leur propriété en mars 2011. C'était une découverte excitante pour lui, car il a relaté que les livres pourraient être la découverte majeure de l'histoire chrétienne. Bien que les dates des livres n'aient pas encore été vérifiées, si c'était le cas, il y a des chances qu'ils soient parmi les premiers écrits chrétiens réalisés avant les célèbres lettres de l'apôtre Paul. David Elkington a été entendu dire que c'était une pensée à couper le souffle, que nous ayons tenu ces objets qui pourraient avoir été tenus par les premiers saints de l'Église. Il a fait face à de nombreux sceptiques qui doutaient de l'authenticité de ce livre comme étant du 1er siècle et provenant de personnes réelles ayant vécu à cette époque. À la tête des sceptiques se trouvaient les autorités jordaniennes, car elles ont toujours vu des types similaires de livres qui ont été vendus en ligne ou utilisés comme des souvenirs. Les autorités ont traité ces petits livres en plomb, comme ils en ont traité d'autres. Ils les ont rejetés, ils ont répandu des histoires moqueuses. Ils disaient que les livres avaient été trouvés par un grand-père dans une grotte. Puisque beaucoup de gens refusent de croire à leur authenticité, les 70 livres en plomb ont été soumis à plusieurs tests. Un groupe de 9 chercheurs s'est levé pour vérifier la valeur des livres à être étudiés davantage. Ils ne pouvaient pas risquer que cette rare trouvaille archéologique soit traitée si communément. Ce groupe de chercheurs comprenait 3 anciens présidents de la Society for Old Testament Study et des linguistes. Ainsi, un panel d'évaluation a été mis en place pour examiner les résultats des tests effectués sur ces livres métalliques. Robert Hayward, professeur émérite d'hébreu à l'université de Durham, présidait le panel d'évaluation. Les 9 chercheurs se sont mis au travail et ont organisé une série de tests. Le test principal consistait à déterminer l'âge du métal, car si le métal s'avérait aussi vieux que prévu, cela signifiait que les écrits avaient probablement été inscrits à cette période. Ils devaient faire une observation de la radiation active sur le métal. Si le métal n'avait aucune radiation active qui en émanait, alors il n'était définitivement pas un produit de cette ère moderne. Le professeur Webb, l'un de ceux qui effectuaient les tests, a déclaré que le plomb contient naturellement un isotope radioactif qui se désintègre lentement après avoir été extrait. Le plomb peut être réactivé à partir du polonium radioactif dans l'air. Le professeur Webb a ensuite expliqué que tous les métaux forgés à travers le monde à partir de 1945 contiennent toujours du polonium radioactif, car la première bombe atomique a été larguée cette année-là dans les déserts du Nouveau-Mexique, remplissant l'air de polonium radioactif. Ainsi, si les petits livres en plomb n'ont aucune présence de polonium radioactif, cela signifie qu'ils ont plus de 100 ans et ont été fabriqués bien avant 1945. Les résultats ont mis en évidence que les livres en plomb étaient exempts de polonium radioactif. Une analyse ultérieure effectuée par l'université de Surrey a confirmé que le plomb datait d'il y a au moins 100 ans. Les sceptiques ont toujours soutenu que ces livres étaient de simples faux, mais les tests récents indiquent que les plombs étaient plutôt des plombs romains et datent également de plus de 100 ans. Les plombs des livres sont hautement impurs, différent de la façon dont les plombs modernes sont fabriqués. Personne n'avait jamais vu ni manipulé un tel type de plomb auparavant. Les plombs sont facilement fracturés, contrairement aux plombs modernes. Lorsqu'ils sont examinés sous un microscope, les plombs présentaient tous les signes de plomb qui avaient vieilli de manière significative, tels que des impuretés cristallines adhérentes au plomb et des trous microscopiques apparaissant à l'intérieur. Tous ces processus prennent 1800 ans et plus pour commencer. Cela signifie que les livres en plomb
ont été écrits par les premiers chrétiens. Leur authenticité a été prouvée. Ils méritent d'être étudiés à fond. Maintenant que les petits livres en plomb ont été prouvés vrais et non forgés, cela conduit naturellement tout le monde à la prochaine question de pourquoi ils ont été faits en premier lieu. De nombreux chercheurs ont lutté pour comprendre pourquoi ils ont été écrits et quelles informations la première Église essayait de transmettre et de préserver. Beaucoup des livres sont scellés pour préserver leur contenu et cela fait se demander aux chercheurs pourquoi quelqu'un écrirait des informations et déciderait de les sceller. Observant comment les livres étaient reliés par des anneaux sur les quatre côtés, certains chercheurs ont proposé que les livres n'étaient pas destinés à être étudiés, mais à être conservés comme un talisman. Ils ont soutenu que les formes de certaines des lettres suggèrent qu'elles ont été écrites après 135. Mais les éléments de cette lettre pourraient avoir été copiés à partir de quelque chose de plus ancien. Ils étaient évidemment destinés à être préservés d'une génération à l'autre. En parcourant le contenu des livres en plomb, certains chercheurs ont été frappés par ce qu'ils ont trouvé en eux. Philip Davies, professeur émérite d'études bibliques à l'université de Sheffield, a déclaré qu'il était stupéfait car il a vu une image qui ressemblait à une image chrétienne. Il a noté qu'il y avait une croix au premier plan. Derrière elle se trouvait un dessin qui ressemblait au tombeau de Jésus. Il y avait aussi un petit bâtiment avec une ouverture. Derrière le bâtiment se trouvaient les murs d'une ville. Davies a observé comment les murs étaient illustrés sur d'autres pages du livre et leur ressemblance frappante avec Jérusalem. Il a décidé que la représentation dans les livres était une crucifixion chrétienne se produisant à l'extérieur des murs de la ville. Les chercheurs essayent de comprendre la signification des livres, mais ils craignent également que certains livres soient vendus sur le marché noir ou détruits. Mais cela n'empêche pas l'analyse en cours. L'ancienne présidente de la Society for Old Testament Study, la docteure Margaret Barker, a déclaré que le livre de l'Apocalypse parle d'un livre scellé qui n'a été ouvert que par le Messie. Elle a déclaré que d'autres textes de la période parlent de livres de sagesse scellés et d'une tradition secrète transmise par Jésus à ses disciples les plus proches. Madame Barker a maintenu que c'était le contexte de la découverte, alors qu'elle révélait que la possibilité d'une origine hébraïco-chrétienne est suggérée par l'imagerie et que ces codex sont susceptibles d'apporter un éclairage nouveau sur notre compréhension d'une période très significative, mais jusqu'à présent peu comprise. David Elkington a estimé qu'il est vital que la collection puisse être récupérée intacte et sécurisée dans les meilleures circonstances possibles, à la fois pour le bénéfice de ses propriétaires et pour un public international potentiellement fascinant. Après de nombreuses études, les chercheurs et les chercheurs ont conclu que les petits livres en plomb étaient écrits comme des témoignages. Ils ont été copiés comme un document de poids qui témoignait de la vérité prononcée par les lèvres du Messie. Des recherches rigoureuses à travers le contenu des livres ont conduit les chercheurs à conclure que le but des caractères et des images était d'informer les gens, passés et présents, de la venue du grand roi qui libérera son peuple de l'oppression. Certains des mots dans les livres parlent d'une libération imminente du monde, de la liberté de ne pas avoir à payer des impôts et de la domination mondiale massive que le Sauveur vient superviser à l'échelle mondiale. De nombreux livres en métal du passé lointain ont été trouvés dans le passé. Certains ont été trouvés être de habiles manipulations. Peu d'autres ont été vérifiés comme vrais, comme ces petits livres. Mais que contiennent les pages de ces livres? Margaret Barker a manipulé de nombreux livres comme ces petits livres en plomb dans le passé. Maintenant, elle a examiné en profondeur ces petits livres découverts en Jordanie et partage les résultats de ces découvertes. Elle note que la plupart des pages des livres sont trop corrodées pour distinguer les écrits inscrits dessus. D'autres pages avaient encore des écritures claires, des caractères et des illustrations faites dessus, et elle note que c'est une tâche pour d'autres à l'avenir. Les livres en plomb sont très petits, ayant presque la même taille qu'une carte de crédit ou de débit.
Elle révèle le contenu de l'un des livres qui a été testé, notant avec emphase qu'il n'aurait pas pu être fabriqué au cours des 100 dernières années. Les écrits et les diagrammes sur les pages étaient moulés sur les pages métalliques, les faisant ressortir de la page. Pour qu'un caractère puisse être réécrit, il devait être recoulé dans la tablette en plomb. Puisqu'aucun mot supplémentaire ne pouvait être ajouté sans qu'il ne soit incisé sur le métal, les copies détenues par la docteure Barker et l'équipe de chercheurs sont les originales ou des copies exactes. La docteure Barker lit deux pages des tablettes en plomb et elle décrit l'une des pages comme ayant une menorah produisant une paire de feuilles à sa base. Elle appelle cette page la page oracle. La page suivante contient un dessin stylisé d'une abeille de la taille d'une carte bancaire. Elle appelle cette page la page abeille. Passant à un autre livre de la taille de deux cartes bancaires, elle ouvre une page qui dépeint une menorah de forme différente avec des branches poussant de chaque et des rangées de croix trouvées en bas de la page. Au début, lorsque ces livres en métal ont été dévoilés, la disposition des diagrammes et des caractères n'avait aucun sens pour personne. Les gens étaient rapides à les rejeter comme des mots magiques inutiles ou des talismans. Jusqu'à ce qu'un ami de la docteure Barker, le docteur Samuel Zinner, remarque que certains mots n'étaient pas moulés en ligne, mais en triangle et en grappe. Après une observation plus poussée, certaines des lettres se sont avérées représenter plus d'une lettre de l'alphabet hébreu, et c'était la percée dont la docteur Barker avait besoin pour assembler le puzzle des livres en plomb. Puisant son inspiration dans les écrits d'un écrivain juif, Ben Sira, qui écrivait à Jérusalem vers 200 avant notre ère, Madame Barker a trouvé ces mots utiles pour dénouer le mystère des livres. Ben Sira a écrit « Regardez toutes les œuvres de Dieu, toutes sont en paire, une en face de l'autre. » Elle a alors découvert que certains mots simples organisés en triangle avaient une image miroir exacte qui était aussi un mot qui avait du sens, formant une paire avec le mot original. Elle a également compris des lettres plus archaïques qui représentaient plus d'une lettre de l'alphabet hébreu ultérieur. Madame Barker a observé des motifs sur la page Menorah basés sur des paires les uns avec les autres. Chaque mot dans ce motif avait une image miroir précise lisant le motif autour de la forme exactement dans le même ordre. Elle poursuit en révélant 21 motifs sur la page Oracle et comment ils ont été construits. Sur cette page, elle alla trouver 200 de ces motifs. Madame Barker pense que les informations trouvées sur cette page sont un exemple de ce qui était vu dans le premier temple en Israël, le temple de Salomon. Elle croit que les informations ont été fabriquées par les prêtres et les prophètes après que la nation a été chassée du temple. Et c'est maintenant réécrit en motif sur la page oracle des livres en plomb. Le contenu des tablettes en plomb préserve la vision du monde à l'époque du temple de Salomon, tout en décrivant leur situation actuelle et leur espoir pour l'avenir. Beaucoup des écrits avaient leurs racines dans le livre d'Isaïe. Madame Barker a également révélé que les motifs sur la page oracle décrivent comment Adam, l'Esprit Saint, Éden, le Messie, ont été envoyés au ciel. Il y avait aussi une géométrie complexe qui ressemblait à une forme antérieure de ce que nous appelons maintenant Pythagore. La page abeille contient les noms des prophètes vivants en exil à l'est du Jourdain. Les écrits trouvés préservaient la sagesse ancienne de ces personnes. Les pages oracles et abeilles ont des motifs montrant les prophètes en exil et leurs souvenirs de la ville sainte, Jérusalem. Les livres indiquent qu'à l'époque, les prêtres étaient des métallurgistes. Les mots de travail des métaux étaient utilisés dans toute l'écriture qui était souvent perdue dans la traduction. Saraf est le mot hébreu pour raffiner les métaux et il était utilisé comme un élément de jugement dans les écritures. Des écritures, nous savons que le Seigneur est un raffineur. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb, Ésaïe 1, 25. Et encore, je mettrai ce tiers dans le feu
et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Zacharie 13, 9. Dans Malachie 3, 3, il dit « Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Ésaïe a vu des séraphins dans le temple dans sa vision dans Ésaïe 6, 2. Mais lorsque vous utilisez les lettres doubles des livres en plomb, vous trouvez que ces séraphins auraient également pu être des fondeurs. Séraphins et fondeurs, bien que orthographiés avec différents mots hébreux, étaient orthographiés avec les mêmes mots sur la page Oracle. Il est enregistré qu'un séraphin a pris du charbon chaud pour toucher les lèvres d'Isaïe. Alors, cet ange était-il alors un fondeur? Il est important de garder à l'esprit qu'Aaron était un métallurgiste qui utilisait des métaux précieux pour fabriquer le veau d'or et plus tard les ameublements dans le tabernacle. Le tabernacle était fait d'or grâce aux métallurgistes qui pouvaient également être prêtres. Non seulement le tabernacle, mais tous les objets sacrés dans le temple et le tabernacle tel que la menorah, le siège de la miséricorde qui était connu sous le nom de Caporet, et les ustensiles du temple. L'arche, l'autel d'encens et la table pour le pain de proposition étaient également faits d'or. Tous ces objets nécessitaient des métallurgistes pour les rendre vivants. Les pages des livres en plomb faisaient référence à ce qu'il y aurait des métallurgistes dans le futur temple, comme indiqué dans Zacharie 1, 18, 21. Le mot « métallurgiste » utilisé dans ce verset est « orsim » en hébreu, ce qui pourrait aussi signifier « des travailleurs de la magie ». Dans ces livres, le silence est un thème important qui résonne tout au long des pages. Les pages en plomb mentionnent les temps tumultueux du roi Josias vers la fin du 7e siècle avant notre ère. Des écrits ont déclaré que Jérémie avait été appelé prophète en 622 avant notre ère, un an après que le roi Josias a commencé à purger Juda et Jérusalem de l'idolâtrie. Cela a été confirmé dans les Écritures dans Chroniques 34, 3. La vision de l'appel de Jérémie est survenue en raison de l'agitation du temple. Il a vu la branche d'un amandier lors de sa première vision d'appel. Le jeu de mots pour amande en hébreu est « saked », et « saked » signifie aussi « je regarde ». Ainsi, la signification de ces mots des tablettes en plomb était que l'amandier était un signe du grand prêtre du Seigneur et que le Seigneur regardait aussi parce que Jérémie était en danger en tant que véritable grand prêtre. La deuxième vision d'appel de Jérémie est toujours moins discutée que la première, c'était la vision d'un pot bouillant. C'était un pot soufflé. Ironiquement, ce mot est également utilisé pour un forgeron au travail, posant donc la question de savoir si Jérémie regardait quelqu'un fondre du métal. Et cela pourrait-il aussi faire partie de la purge de Josias? En examinant la réflexion que Josias avait des purges lorsque le Seigneur lui parlait, « Je t'ai fait un évaluateur et un testeur parmi mon peuple, afin que tu puisses connaître et évaluer leur voix. » Le soufflet souffle violemment et le plomb est consommé par le feu. À ce stade, notez que le mot « soufflet » est le même mot utilisé pour le point d'ébullition de Jérémie. Le Seigneur a continué à parler à Josias. En vain le raffineur affine, car les méchants ne sont pas retirés. Il semblerait que fondre le plomb faisait partie de la purge de Josias. Sur les pages des tablettes en plomb elles-mêmes, la docteure Barker montre les lettres archaïques doubles à gauche et deux équivalents dans l'écriture hébraïque ultérieure à droite. Il y a sept exemples de telles écritures sur une page de la tablette en plomb, avec deux lettres archaïques doubles écrites à gauche et son équivalent en hébreu ultérieur écrit à droite. Sept rangées de ces caractères. La lettre supérieure sur la page est « Aleph » ou « un yon » dans le dernier script, ou même les deux. Lorsque vous cherchez un mot dans ces tablettes en plomb, une lettre archaïque peut être lue comme soi, « Aleph » et « yon », deux lettres, éventuellement lues comme « Aleph yon ish shin », avec le mot « ish » signifiant un homme. On pourrait également lire en suivant un ordre différent. La docteure Barker a ensuite souligné un autre dessin moulé sur la page Menorah. Elle a observé que les lettres pouvaient être écrites
orienté soit à gauche, soit à droite. Il y a un caractère là qui est prononcé comme Dalit ou de Guimel. Trois d'entre eux ont été trouvés. L'un d'eux à droite fait face d'une manière. Et les deux à gauche sont écrits de côté et font face à l'autre sens. Parmi ces caractères sur la page Ménorah se dresse une grande représentation de la Ménorah qui représente le Seigneur. Et il y a des motifs qui se croisent à la lampe centrale de la Ménorah. Ce motif révèle le Seigneur et le Messie. Madame Barker a montré une autre lettre qui apparaissait trois fois, qui est prononcée comme Aleph. Il y a aussi une lettre grecque inversée, connue sous le nom d'Oméga, et elle représente toujours la voyelle, O. Passant à l'autre page, la page Abeille, la docteure Barker révèle ensuite trois lettres, parmi elles sont B et Q ou un R, qui est un mot de code pour la race. Ces caractères permettent des lectures intéressantes. De retour à la page oracle, la grande Ménorah symbolise également la description de la vision du monde du temple. La zone centrale et les caractères capturés au-dessus du carré et de la Ménorah sont le ciel, et les caractères sous la Ménorah sont la terre. Chacune de ces illustrations a des lignes qui donnent une idée de leur position à l'intérieur du temple, et c'est la caractéristique la plus remarquable des tablettes en plomb. Pour illustrer cela, Madame Barker nous montre un caractère sur le côté gauche de la Ménorah qui signifie soit un rejeton, soit une branche. Il pourrait être vu poussant de la zone terrestre du diagramme dans le Saint des Saints. En le regardant à l'envers, alors qu'il descend du Saint des Saints, il dépeint un symbolisme de caractère, de faveur divine. Sur le côté droit de la Ménorah, il y a le mot miroir pour ce caractère, qui signifie un rejeton ou une branche. Et en montant, il lit le message, mon témoin. Alors que le mot miroir descend, il capture maintenant un message différent qui se lit, celui qui sait. La signification de ces caractères révèle que la personne appelée la branche, qui est le Messie, est également le témoin du Seigneur, et il entre dans le Saint des Saints, et en sort avec une connaissance et une faveur divine. Cela est confirmé dans le mot populaire d'Ésaïe, qui dit que je l'ai fait un témoin pour le peuple. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin pour découvrir le contenu des livres en plomb trouvés en Jordanie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu vidéo intéressant.